to the final in World 1. From Romania, Christian Nicolae. From France, Leon Kimmerman. From Scotland, Kimi Agutu. And from Belgium, Johnny Van Becken Eisen. Voilà, de retour à Metz au complexe Saint-Symphorien pour la dernière finale de cet Open de France, du circuit mondial junior, cadet junior, avec la finale cadet garçon, après avoir vu la victoire de la Roumaine chez les filles en cadette, la Roumaine dont je vais retrouver le nom tout de suite, voilà, Andrea Dragoman, face à la Brésilienne Takahashi. Eh bien, nous voici avec une finale franco-roumaine, encore les Roumains très très présents dans les catégories cadets. Un choc pour cette finale avec les têtes de série numéro 1 et numéro 2 de ce tableau cadet dans cette Open de France. Nolan Gibbon que vous voyez pour la France. Et là-bas au fond, eh bien, c'est Christian Pletea pour la Roumanie. Alors un choc, non pas seulement puisqu'il s'agit des têtes de série numéro 1 et 2 de cet Open, mais surtout puisqu'il s'agit des joueurs classés numéro 7 mondial en ce qui concerne le joueur français Nolan Gibbon, 7e joueur mondial. Et quant à Pletea, le Roumain, il est 9e joueur mondial, voilà, au niveau du classement des cadets. Donc un très beau choc à venir. Et puis pour être tout à fait complet, le joueur roumain Christian Pletea, qui a une revanche à prendre sur le français qui vient de le battre en double lors de la finale du double garçon, puisque Nolan Gibbon s'est imposé en finale de ce double avec son comparse Irvin Bertrand face à déjà ce joueur roumain Christian Pletea, qui lui était associé à Rares Tsipras. Voilà, 3 manches à 0 en finale du double, un score sévère et donc une première médaille d'or déjà, d'ores et déjà dans l'escarcelle du joueur français. Et on va voir s'il arrive à en ajouter une deuxième avec cette finale du simple cadet. Voilà la dernière finale de cet Open où on a vu pendant toute une semaine 37 pays, plus de 360 joueurs de différents pays, donc de 37 pays différents, et vraiment du beau tennis de table. Et je l'espère et j'y crois fortement que cette dernière finale sera une apothéose au niveau du jeu, avec deux joueurs donc de grande grande qualité. Nolan Gibbon, né en 1999, qui a 15 ans bientôt, et Pletea lui est né en 2000 et il a donc un an de moins que le français, même si c'est lui le plus grand des deux, c'est bien le plus jeune. Sans oublier, bien sûr, que nous sommes derrière la caméra avant l'équipe, au début de l'année, puisqu'il aurait pu nous confier pour suivre une vidéo correctement en direct de cette compétition. Allez, ça va démarrer avec l'encouragement du public. Nolan Gibbon face à Christian Pletea. Ouais, un bel enchaînement pour Nolan Gibbon. Service rapide enchaîné avec un très beau top spin coup droit. Vous allez voir, deux joueurs, style de jeu relativement semblable. Avec, voilà, on essaye de démarrer. Alors là, Nolan Gibbon a vu la balle lette.
personne d'autre n'avait vu, mais sportivement, on remet cette balle. Ouais, c'est bien fait. C'était risqué, mais bien fait. Ce démarrage de la plaque droit en pivot. 3 partout dans cette première manche de la finale. Deux joueurs qui se connaissent bien, hein, puisqu'ils se rencontrent régulièrement. Deux des meilleurs joueurs européens, et même, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, deux des meilleurs joueurs mondiaux dans les 10 premiers mondiaux. Allez, 5-4 toujours en faveur de des joueurs roumains. Ouais, qui sert bien pour l'instant. Il gêne beaucoup Nolan Givon. Et attention, il est en train de creuser un petit écart là. Christian Petel qui a failli ramener cette balle. Et c'est toujours lui qui est devant au score. Il mène 7-5 avec deux services. On l'a vu pour l'instant plutôt efficace avec ses services, même si là c'était bien remis. Et, ouais. Il a encore tenté de pivoter. Hein. Vous allez le voir souvent, Nolan Givon, dans cette position. Et là, une faute en remise de revers. 9-5 pour Pletea. Christian Pletea, le 9e joueur mondial qui remporte cette première manche face au numéro 7 mondial, le français Nolan Givon. Et bien on l'a vu hein, sur cette première manche, deux joueurs qui tentent d'attaquer, qui tentent d'empêcher l'autre joueur d'attaquer dans de bonnes conditions et vice versa. Ce sont vraiment deux joueurs qui ont une tactique un peu similaire avec Nolan Givon qui utilise un petit peu plus son coup droit, on l'a vu souvent pivoter et il est plus confiant dans ce coup droit. Et un joueur roumain un petit peu plus équilibré. Et en tout cas, pour l'instant, eh bien, c'est le joueur roumain qui passe devant au score. Il mène une manche à zéro. Notre ami Christian Pletea, je vous ai parlé tout à l'heure des têtes de série. Ces deux joueurs n'étaient finalement même pas têtes de série 1 et 2, hein, mais 2 et 3, puisqu'il y avait un autre roumain qui était présent, Rares Sipos, le 6e joueur mondial. Bon, ce sont des classements très très serrés, mais qui a été éliminé lui assez tôt dans la compétition en 8e au quart de finale. Le Roumain par un défenseur russe, voilà, en 8e de finale, par Abusev, Arthur Abusev pour être précis. Et donc il laisse la place à deux poursuivants au classement mondial qui pourraient bien le rattraper après cet Open. Nolan Givon et Christian Pletea. Allez, c'est parti pour la deuxième manche. Un partout. Et on va voir hein, les ajustements tactiques. Pour l'instant, Pletea démarre toujours aussi bien et aussi fort. Et le Français a du mal à contrer. On voit clairement la tactique du Roumain là, qui est d'écarter plein coup droit dans le plein coup droit du Français où est assez fort car on voit que le Français a un petit peu de mal à aller jouer ses balles en temps efficace. Allez, ça c'est bien fait pour rester présent dans cette finale. Nolan Givon. Allez, bien joué, bien joué. Thank you.
Allez, encore un échange remporté par le français qui passe devant au score. Et c'est important pour le moral. Allez, une faute sur le service là. Un bon service du Roumain. C'est bien enchaîné du côté du français qui après cette fois-ci s'est mis en bonne position après son pivot hein, pour enchaîner dans le point. Et là c'est bien ce qu'il attendait aussi, plein coup droit. Ouais, superbe Nolan Gibbon là qui remporte un point extraordinaire. Il y a eu un petit peu tout dans ce point, des angles incroyables et une très belle défense. Et c'est finalement le français qui a eu le dernier mot. Alors il souffle un petit peu là pour récupérer car ce sont des points très éprouvants bien sûr. Et encore un plein coup droit là. On a vu hein, le Roumain qui... utilise bien la diagonale de la table, il tire court dans le revers du français avant de l'écarter complètement. Et, pour l'instant, c'est plutôt efficace à partir du moment où le Roumain arrive à rentrer fort dans le coup droit. Aïe, petit service manqué et temps mort demandé par le coach français pour. Il a senti l'entraîneur français un petit moment de doute chez son joueur et du coup eh bien, il veut mettre fin à ça et peut-être réajuster un petit peu tactiquement notamment sur cette histoire de plein coup droit là, de préparer son joueur à attendre la balle de ce côté là. Nolan Gibbon donc on l'a dit, 7e joueur mondial au niveau cadet qui est bien sûr déjà classé au niveau senior. Il est 195e joueur français. Il évolue au club de Chefbouton en National 1. Et il a précisé tout à l'heure à Claude Bergeret qu'ils étaient leaders de leur poule en National 1. Voilà, il avait envie qu'on le dise. Alors voilà qui est fait. Nolan Gibbon, pour rester dans cette finale, il faut remporter cette deuxième manche. Après, ça deviendra compliqué. Allez, tout le monde l'encourage ici à Metz. Et c'est parti pour la fin de cette deuxième manche. Alors les arbitres ne sont pas d'accord, a priori cette balle aurait frôlé la table. Alors voilà, un problème d'arbitrage. Oh là là, il est en train d'envoyer encore du mauvais côté, notre ami arbitre. Voilà, alors, c'est pas du tout ça le score, si. Nous y voilà, c'est partout donc. Ouais, merci. Monsieur Potea pour la sportivité. Ah, il a été solide, le joueur roumain. 9-7 en faveur de Potea qui est en train de continuer sa marche en avant vers le titre. Allez, côté français là, il faut y aller maintenant. Ouais, c'est bien fait, c'est bien. Il a tenu le coup là, Nolan Gibbon. Et provoquer cette dernière faute de Potea. 9-8, toujours cependant en faveur du Roumain. Beau démarrage revers là, très très bien exécuté avec beaucoup de rotation. Et du côté de Nolan Gibbon, eh bien, on n'a pas réussi à contrôler cette balle. Et ça fait une fois de plus deux balles de manche pour le Roumain. Ok.
Quelle défense. Oh là là, il aura très bien défendu, hein, PTA, mais avec l'aide du filet, eh bien, Nolan Given sauve cette première balle de 7. Allez, encore une à sauver côté français. Ouais, bien servi. Là, il a surpris le français. Service long dans le coup droit. Et ça fait 2-0 pour Christian Pletea face à Nolan Given. Christian Pletea qui est bien parti dans cette finale. 2-0. Ça va être compliqué pour le français de revenir. Voilà, le coach qui continue à lui dire, eh bien, continue à varier ton jeu, à démarrer en rotation et à une fois sur deux aller plein coup droit pour que le joueur français là, qui est très fort en pivot et milieu de table, eh bien, puisse se régler et préparer à jouer les balles comme il aime le faire. Pour l'instant, au niveau du jeu, Christian Pletea est un tout petit ton au-dessus du joueur français, mais on espère une réaction de Nolan Given, qui a déjà un beau palmarès, hein, pour ceux qui suivent un petit peu le tennis de table. C'est un jeune joueur, donc né en 99, mais qui a déjà un beau palmarès, donc vainqueur de l'Euro Mini Champs, le championnat d'Europe des Benjamin Minim en 2011, champion de France 2010 en Benjamin, et vainqueur ici à Metz en 2013. En cadet. Allez, c'est reparti pour la troisième manche et c'est Christian Pletea au service. Avec une grande intensité là sur cette troisième manche. Nolan Given qui tente de mettre la pression sur le joueur roumain qui pour l'instant répond vraiment présent. Alors cette balle qui a encore effleuré la table. 3-3. Allez, on est tous un petit peu derrière Nolan Given. On aimerait le voir revenir dans cette partie. C'était difficile cette dernière balle accélérée là, elle était vraiment très très basse. Pour l'instant, Christian Pletea qui propose des balles très difficiles à jouer, hein, aux joueurs français. Ouais, il est en difficulté, Nolan Given, il est en difficulté dans l'échange. Eh bien, Pletea développe un tout petit peu plus de puissance et. Il n'est pas gêné par les balles du français, même quand il la joue en latéral, petit côté. Voilà, c'est compliqué, attention à ne pas laisser partir Christian Pletea, qui est en plein rush, hein, en ce moment. Alors, les français avaient dominé le double face aux Romains, mais. Les mouches ont changé d'âne et c'est pour l'instant le Roumain qui domine cette finale. Ouais, même si là c'est Nolan Given qui remporte ce point, deux petits points d'affilée et du coup c'est un temps mort demandé par le coach roumain. 6-5, vous voyez Nolan Given qui est en train de se réhydrater. Allez, il reste 48 secondes de temps mort. Alors, je ne sais pas exactement, hein, ce qu'est en train d'expliquer
le capitaine roumain. En tout cas, voilà, il a essayé de casser un petit peu le rythme du français là, qui depuis 2-3 points revenait bien dans cette manche. Allez, le complexe Saint-Symphorien pousse du côté du français. Derrière Nolan Givon pour, on espère, une quatrième manche, ne serait-ce que pour le spectacle. Entre ces deux joueurs, ouais, c'était une bonne remise là, il est vraiment coincé hein, dans le pivot, le joueur roumain. Et le clan roumain qui encourage son champion. Le clan roumain qui était toute la journée derrière Plétéa. Qui a l'air d'avoir une certaine aura dans cette équipe de Roumanie. Et 9-5, 9-5, il se rapproche de ce titre. Christian Plétéa. Ce serait deuxième titre pour la Roumanie chez les cadets après la victoire par équipe hier. Même si Nolan Givon, hein, par exemple, ne participa pas à cette compétition par équipe cadet puisqu'il était chez les juniors. Enfin, un grand jet de l'expérience. On est passé chez les juniors, justement. Allez, encore. Deux petits points à remonter là, côté français. Ouais, c'est dur. Hein. Il est présent, le joueur roumain, sur cette finale. Il est ultra présent. Et quand on envoie un gros démarrage dans son coup droit, il répond présent également. Et voilà, le voici qui se roule par terre. Christian Plétéa, que l'on peut féliciter pour cette finale en tout cas, car il a été... Très solide, on est un petit peu déçu pour Nolan Givon, bien évidemment, qui a été le vainqueur en titre ici à Metz, vainqueur de l'Open de France l'an passé. Il aura un petit peu manqué sa finale, il n'a pas trouvé les solutions. Et en tout cas, Christian Plétéa qui est très heureux et qui va certainement grimper encore un petit peu plus au classement mondial et peut-être qui s'est passé devant Nolan Givon. Voilà, et bien nous sommes arrivés au terme de cet Open de France Cadet Junior 2014. Nous avons vécu de très très belles rencontres et je l'espère vous aussi. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous l'année prochaine à Metz et avant cela pour toutes les compétitions internationales, voilà, que vous suivrez sur internet ou à la télévision. Merci à tous et à l'année prochaine.